Et salut à tous, c'est Amadeus, on se retrouve pour un nouvel épisode de Prey. Donc encore une fois pour cet épisode-là, je pense que ça va être cet épisode-là et celui d'après. Je pense que je vais continuer de parler comme ça, pas fort, parce que, bah, encore une fois, maison petite, copine qui dort, je vais pas la déranger. On est vendredi soir, mais quand même, je vais pas la faire chier. Donc je vais parler un petit peu doucement, je suis désolé, hein, je montrais le son du micro en post-process pour m'assurer qu'on m'entende bien quand même, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà. Donc on se retrouve sur Prey, là où on s'en était laissé il y a genre... à peu près 30 secondes, alors pour vous peut-être quelques jours. Et donc en fait on était encore en train de progresser vers donc le bureau du docteur Lorenzo Calvino. Et alors apparemment, tu vois, là il y a un plein de trucs d'Artax ou je sais pas quoi, et j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des radiations. D'accord, c'est bon à savoir. Ils sont horribles, je déteste la façon dont enfin, la façon qu'ils ont de parler est tellement flippante en fait. C'est assez violent. Putain, saloperie. Sont flippantes ces conneries. J'aurais pu juste les foutre en feu en fait, c'est con, mais bon, tant pis. Oh, putain, la vache. Merde. Alors, 0764. Je vais t'arrêter tout de suite, tu vas me faire chier, toi. Modificateur d'armes, espace insuffisant. Putain, il y a quoi d'autre? Recharge glue, une note. Faut améliorer la vitesse de rechargement du canon glue. Les accélères sont vraiment ultra lents. Pièce détachée. Neuromode 2, c'est nice. Bon, en attendant, on va juste. Attends, i. D'ailleurs, bah, je vais miam maintenant que j'y suis, puisque j'en ai besoin apparemment. Miam miam. Ok, alors attends, du coup, j'ai l'impression d'avoir des trucs dans mon inventaire que je n'ai pas mangé et qui ne me servent pas en fait. Genre, les bouteilles d'alcool. Ouais, mais tout ça, faut le recycler en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui est intéressant avec ça, c'est qu'il faut le recycler. Attends, on va tèche ça, on s'en fout. Ça, on va l'utiliser. On va mettre là. Alors c'est bon, j'ai assez. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le glue gun. Effectivement, en fait, je vais suivre leur conseil. Je vais améliorer le glue gun. Améliorer vitesse de rechargement. Capacité de neutralisation, ça reste intéressant quand même. Vitesse de rechargement, on recharge la plupart du temps quand on est off fight, quoi. Donc voilà. Ok, bon c'est nice. Ok, bon. C'est pas mal, hein. C'est marrant ça, dis donc. Ok, du coup on a battu les autres pélos là. Prendre le glue gun. Mettre un truc de glue ici. Du coup en fait on peut juste faire genre un escalier. Là, easy. Easy. Facile à dire qu'à faire, clairement, mais.
Ouais, ça. Oh, recycleur, un pack. Bah, attends, on va y mettre du merdier. Tac. On va y mettre ça. 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 Foutre le deuxième glue gun. Bonjour, c'est ok. Ok, c'est pas mal. Du coup. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Du coup, on va recycler ça. Vas-y. Impeccable. Alors, du coup, on peut lancer le fabricateur. Ça, c'est intéressant. Parce que tu vois, on va pouvoir se crafter pas mal de choses, je pense. On est bien. Au niveau stuff, recharge glue, il faut quoi? Ça, ouais. On va en faire quand même. Surtout crafter des cartouches de fusil à pompe, en fait. Ça va être très important, je pense. Parce que comme il est surpuissant, le truc, il nous en falloir masse. Donc on va en faire tant qu'on peut. Voilà. Faire quelques griffes de secours. Non, pas des griffes de secours, des trousses de soins. Et pas mal le système. Vraiment, le système de craft, tu vois, je trouve vraiment cool. Voilà, c'est bon. On va continuer avec ça alors. Ok, c'est bon. Bon. On est plutôt pas mal. Ça nous en donne combien des trousses de soins à chaque fois? Une seule, je crois, hein, ça. Ouais, une seule. Alors attends, du coup, on va juste améliorer 2-3 trucs sur nos machins. Il nous en faut 4 pour le niveau 2. Combinaison, améliorer la combinaison transistor avec l'espace. Possibilité d'installer 2 puces supplémentaires. Permet de démonter l'équipement de votre inventaire pour obtenir des pièces détachées. Récupérer des pièces détachées sur l'opérateur détruit. Transcendance, c'est intéressant quand même. Ouais, l'endurance va monter jusqu'à 150 maximum, parce qu'il nous en faudra 5. Je vais attendre pour avoir le niveau de piratage 2, peut-être, tu vois. Ouais, je vais attendre d'en avoir un pour avoir le niveau de piratage 2. Fexifome. Pas trop quoi ça sert, mais on va le prendre, hein. Tout est bon. Oh! Nice. Jetpack, ça c'est stylé. Ça c'est cool. T'as un jetpack et tout. Marrant. Du coup, j'ai récupéré du merdier à. Hop, hop. Ça c'est quoi en fait? Fléchette de forme pour l'arbalétrière. Ah, il y a une arbalète dans le jeu. Je vais mettre ça. C'est quoi ça? Mineur métal. Ok. Quel vol 9 mm et tout. Ok, bon, c'est bon, c'est bon. Après qu'on va lancer le recyclage, mais ça va rien nous donner, mais bon, ça reste intéressant quand même. Ok, cool. Oh, il y a un truc là-haut, on dirait. On peut utiliser le. On peut planer, putain, c'est bien ça.
Ce qu'on va faire, on va faire ça. C'est peut-être l'expérience la moins concluante du monde. C'est sur un cassos. Je vais aller récupérer le truc là-haut par contre. Ça, tu vois, c'est. Voilà. Ok, et du coup en fait la salle de stockage tu peux y accéder avec le jetpack sans avoir forcément besoin de. Ah, par contre le jetpack il est pas choqueur. Hein? Ah oui. Salut. Pute. Mais t'es pas enculé, c'est que ça gueule. Panneau de commande HS, merde. Bon, quand j'aurai assez de trucs. Ça fout deux. Je suis pas sûr d'utiliser du déplacement du fret, mais je vais dire ok. J'entends une. Arrête! Putain, comme tu les déglingues après. C'est marrant. Pourquoi? Nice, parfait. Du coup, ça y est, je peux même pouvoir mettre mon mode de piratage niveau 2. Ouais, impeccable. Ça, c'est cool. Nice. It's very nice. On est dans l'espace et tout, c'est trop bien. Ouais. Vas-y, YOLO. Est-ce qu'on va dans l'espace ou juste dans une zone de 0G? En fait, on a juste récupéré un jetpack. C'est intéressant d'ailleurs, du coup, d'avoir un jetpack. Ça change un peu de. Ça change un peu de. Ça change en fait. Oh. Ça ne change en rien de. Alors attends, microgravité, le. En spatial hostile, vous vous déplacez en apesanteur, utilisez QSD pour vous propulser, mage pour accélérer. Appuyez sur A et E pour freiner. Ok, vous pouvez appuyer sur espace pour vous élever et C pour descendre. Alors, A et E. Oh. Et. Putain, c'est génial! Oh, c'est ouf! Mec, c'est ouf! Ah putain la vache! Vas-y, fonce Michel! Du coup, est-ce qu'il faut tenir compte du. Ouais, c'est quand même vachement réduit. Bon, par contre, il faut savoir que dans l'espace, genre, tu fais ça. Là, t'es à 5 mètres secondes, 7 mètres secondes, 8 mètres secondes, tu t'arrêtes pas comme ça.
Genre ça te prend un temps, mais même je veux dire, enfin je veux dire, tu te laisses aller, tu fais une décélération de fou. Oh, c'est trop bien. En plus, ce qui est cool, c'est que t'as pas de... Enfin, on dirait qu'il n'y a pas de réserve d'oxygène, tu vois. Et ça, c'est intéressant, du coup. Je trouve le principe complètement barjot, quoi. Oh, j'ai pas trop compris ce que c'était ce truc-là, mais putain, c'était invincible. Alors, justement, dans le test que j'ai lu de jeuxvideo.com, justement, ils en parlaient en fait de ça, de ces créatures dans l'espace. Ils disaient qu'apparemment ça gâchait un peu l'expérience de gameplay. Et, alors que dans la microgravité, c'était une putain de bonne idée. Et du coup, on va voir, mais j'ai bien l'impression, malheureusement, qu'ils aient raison. On s'approchait de savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut fouiller ici? Enfin, je sais pas, c'est. C'est tellement prenant. Enfin, je sais pas, bon, de toute façon, vous l'avez remarqué dans mes épisodes sur Mass Effect, vous avez remarqué que. Enfin, genre, quand on arrive dans l'espace, sur le. Comment? Sur le. Putain, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Sur l'astéroïde là, où on arrive dans l'espace et tout, c'est genre, c'était une espèce d'ambiance de fou quoi, dans l'espace et tout, c'est complètement barjot. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, t'as pas d'endroit, t'as pas de. Je sais pas, t'as pas d'endroit, t'as pas d'envers, tout est juste là quoi. Où que tu sois, t'es dans la bonne position. Je trouve ça tellement barjot. Est-ce que c'est ici qu'on a rencontré le truc du coup? Je me souviens plus. Ouais, c'est là, attends. Je vais récupérer le cadavre humain là. Qui flotte. Kletka. Mec, je veux pas chialer, mais qu'est-ce que tu fous avec un... gant de baseball dans l'espace, quoi. Je trouve ça tellement ouf en fait. C'est une putain de bonne idée ce qu'ils ont fait là. Alors, je suis impressionné. Déplacement pas mal fait. Manque un peu de réalisme, mais c'est quand même relativement bien transcrit.
C'est prenant. Enfin, en fait, c'est marrant parce que ça me laisse quoi? Parce que j'ai l'impression que je peux pas parler, en fait. Cette espèce de silence me est oppressant, tu vois. Et genre, t'as l'impression que si tu ouvres ta gueule, il va y avoir un ennemi qui va te tomber sur le coin de la tronche et que... C'est assez bizarre comme sensation à décrire, je sais pas. Genre, j'ai l'impression que ça me force à être silencieux, en fait. C'est une espèce de... Et tu vois, j'ai la drôle d'impression qu'il va y avoir un enculé, tu vois, qui va me tomber sur la gueule. Pims and Waves Lab. D'accord, et du coup, il faut que je fasse quoi maintenant? Laboratoire technique. Du coup, où est mon objectif principal? Attends, on va regarder. Je sais pas, attends, comment est-ce qu'on fait? J, journal, c'est ça là? Ouais, c'est ça. Notes, email, journaux. Comment je fais pour. Plan, recherche, stats, carte, aucune donnée, carte de la station. Faut que j'aille au laboratoire technique, au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, ok d'accord. Bon, faut que j'aille au laboratoire technique alors. Putain, c'est assez ouf en fait comme sensation. Je trouve en fait, même si bon les mouvements sont un peu arcade parce que bon t'es obligé de le faire en arcade quoi. Mais tu vois genre par exemple KSP dans Kerbal Space Program dans son utilisation de la gravité était par exemple beaucoup mieux fait tu vois genre t'avais vraiment une espèce de enfin t'avais des calculs complexes à faire et tout tu vois et là c'est un jeu arcade donc bon c'est pas non plus. C'est normal que ce soit pas aussi poussé, tu vois, mais ça aurait été cool, tu vois, dans l'espace, genre d'avoir vraiment cet aspect où faut vraiment faire très très attention à la poussée que tu utilises et calculer précisément ce que tu fais parce que voilà quoi. Mais c'est intéressant, c'est vraiment. Enfin, je le trouve en fait vraiment prenant. Le système, je trouve qu'il est très bien fait. En sécurité, qu'est-ce qu'on peut avoir? Transcendance, le truc pour ralentir le temps ou alors la fufu. Faire la combinaison, on va ajouter de ça histoire de d'avoir plus de place dans l'inventaire, c'est important. Oh, alors attends, faut mettre le glue. Ok, il y a des fantômes là. Que je suis en train de penser, je peux essayer de le péter le mec hein, là-bas. Je sais pas s'il m'a capté.
peux me test, enculé. Hein. Modificateur d'armes. Bon, ok. On va améliorer le. Je vais améliorer le glue gun parce qu'il est quand même. Il est quand même vachement intéressant. Attends, hop. Inventaire. Glue gun, tac. Améliorer. Ah, je peux pas, il faut que j'ai technologie de laboratoire. On va pas l'améliorer alors, pas pour l'instant. Peut-être améliorer le fusil à pépon. Il améliorera pas ce qu'au max, donc ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on. Non, on peut pas l'améliorer, je veux dire. Est-ce qu'on peut améliorer genre truc dessus, mais. C'est pas là-dessus que tu l'améliores. Téléchargeur pour tes précisions. Je pense que la précision ça va être important là-dessus en fait. Très rapidement, genre. Ouais, si, on va augmenter la précision. Voilà, comme ça. C'est fait. Tac. Cool. Attends, tiens, hop. Donc, du coup, 3, on va mettre le canon glue. Hop. Labo balistique. Ah, ça c'est stylé. Impeccable. Alors là, par contre, je sens, ça sent la bite, hein, parce que tu vois, il y en a partout là-bas. Il y en a un là-dedans. Je sais pas, j'ai l'impression que. Deux. On va pouvoir l'ouvrir et la tuer. Enfin, je pourrais le faire pour l'instant. Juste fouiller. Laboratoire balistique, il va forcément y avoir quelque chose d'intéressant, tu vois. Oh, coucou. Oh shit, putain la vache. En fait, les mecs, ça les recycle. Oh, c'est génial. C'est ouf. N'importe quoi. Putain. Oh, c'est bien fait, je trouve. C'est une bonne idée. Un peu genre un ingénieur de l'espace, tu vois. C'est. Piratage 1, vas-y, je prends. Easy. Easy game, easy life. Et. Oh. Quand t'as vraiment besoin de thunes, tu rampes sous les trucs et tout. Putain. Ah, ça, mais tu vois, c'est marrant parce que, comme il disait, labo balistique, tu vois, je pensais que. Je pensais qu'il y aurait des genre, trucs expérimentaux avec genre, un prototype de flingue ou un truc comme ça, tu vois, genre. Tant pis. Ça m'avait l'air relativement. Évident, mais bon, apparemment, c'est juste avoir pas mal de matériaux intéressants. On va se casser. Oh, note. Relevez soigneusement chacun de vos passages dans les conduits de maintenance pour la bille de panneau d'accès. C'est tellement flippant. Ah, je suis là par contre, je suis pas du tout rassuré quoi. Putain, le jeu mec qui me colle la chiasse mon gars. Je peux pas les pousser encore, hein. Putain de caisse. Tant pis, on va aller au bureau. Oh, je suis trop con, putain. Et Mimi m'a dit aussi t'étais à l'alimentation, on peut pas ouvrir les portes, mais con. Quelle idée, pourquoi je fais ça? Je suis trop con.
Allez, accroupis-toi. Voilà, ça va. Oh! D'accord, ok, il y avait un arc électrique. Bon, bah, pas de soucis. J'espère que je vais pas devoir recommencer depuis le début. J'ai pas envie de m'amuser. Faudrait que je fasse des saves hein, plus souvent. Putain, j'y pense pas, mais. Excellent. Attends, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste refoutre un coup de glue gun là-dessus. Là. Parce que c'est ça qui l'arrête en fait. Du coup, le bureau du docteur machin. Je vais récupérer le merdier qu'on n'est pas pris. Hop, hop. Voilà, impeccable. C'est parti. On s'arrêtera là, je pense. On va juste fouiller ça et puis on va s'arrêter là. Ça fait 30 minutes. D'accord, ok, c'est là que la force physique va commencer à avoir un intérêt certain en fait. Alors, console miroir. On va faire ça. Hein. Ouais, je viens de croire. Pas mal de choses à recycler et tout. Bon, d'accord. Bon, mais écoute, en fait, il suffisait juste de. Attends, juste de faire ça, on va faire les autres. Il suffisait juste, en fait, de rallumer les serveurs. Bon, c'est cool. Faire la vérification des autres, au cas où. Hein. Si se trouve, il se trouve quelque chose d'intéressant à trouver. Je sais pas, si se trouve, ça me donne un truc. Ok. Et puis, c'est bon. Bon, diagnostic. Diagnostiquer les écrans miroirs. Tous les écrans intacts. Ok. Tout savoir sont opérationnels, lecteur de la vidéo. Init phase 1. Oh, c'est ouf. Bon. Eh bien écoutez, on va se laisser là, on va se laisser là-dessus, c'est intéressant, vraiment, je m'éclate à y jouer, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi prenant en fait. Mais ouais, il est cool, il est cool, il est cool, il est cool. Donc bon, on va se laisser là, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, je vais refaire un épisode juste derrière ça, donc bon, vous aurez un petit peu encore de la boîte à miser, je suis désolé, hein. Mais une fois que j'aurai déménagé, si je déménage, avec mes cassos de propriétaire, hein. Une fois que j'aurai déménagé, ce sera beaucoup plus simple, notamment que ce soit au niveau de la connexion internet et puis alors aussi au niveau du son, parce que j'aurai en fait une chambre séparée, donc je pourrai jouer dans une chambre séparée, ce sera bien pratique. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout, et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et puis à partager la vidéo, voilà. Merci à tous, c'était Amadeus, à la prochaine, ciao ciao ciao.